Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme. Salut. Et Mbappé, et Momo. Wesh. Parce qu'il croit que c'est Mbappé avec cette coupe. Mais là c'est même pas Mbappé. Là c'est Mbappé qui a seulement été raté au coiffeur là. Ah ouais, Mbappé. Il va falloir aller voir le coiffeur mon pote, c'est réglé tout ça. Il y a un trou un peu là. Il y a un petit trou quand même, ouais. Ça se voit qu'on est passé du 7 mm au 5 mm. Non, je déconne, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Non, c'était 7 mm, on t'a fait ça avec 7 mm. Le coiffeur te rattrapera, ne t'inquiète pas. Bon, je tiens à vous dire une chose. Pour beaucoup, vous avez dit Momo, t'es fou, je ferai jamais ça avant la rentrée et tout. Alors, si vous connaissez vraiment Momo, les frérots, on va tout vous raconter, on va vous dire toute la vérité de A à Z. D'accord? Mettez-moi un maximum de likes. Aujourd'hui, vidéo assez cool. Comme d'habitude, vous prenez votre petit coca, votre petit popcorn, vous vous installez. On y va, on est parti. J'ai fait l'intro en moins d'une minute, c'est cool. Vous likez un maximum, on y va. Bref, tout d'abord, il y a une chose à savoir avec Momo. C'est qu'il a une copine. Et cette copine-là, bah, elle a le même âge que lui. Elle a le même âge que toi, elle est plus grande que toi. Bah, même âge que moi. Un mois de plus, je crois. Un mois de plus? Bon, bah, voilà. Hashtag balance ton youtubeur, déjà de 1. Voilà, donc c'est fini. Bref, non, plus sérieusement, les frérots, vidéo très importante parce que Momo, oui, il s'est pas coupé les cheveux pour moi ou elle a pour vous. Non, il s'est coupé les cheveux pour une petite femme. Comme quoi, hein, les femmes, c'est la faiblesse de tout homme. Momo ne l'aurait jamais fait. Vous connaissez Momo à quel point il est obsédé de ses putains de cheveux. Et comme la plupart de la génération d'aujourd'hui, on aime tous nos cheveux. Hein, surtout vous. Moi, de toute façon, j'ai pas le choix, ils sont en train de partir. Et mes cheveux me disent ferme ta gueule, on fait ce qu'on veut. Alors à ce moment-là, moi, je peux rien dire. Mais je veux dire, vous, vous avez le choix. Et souvent, c'est vrai que comme vous l'avez beaucoup dit dans l'espace commentaire, et c'est vous qui l'avez dit, si vous allez voir la vidéo de tout à l'heure, c'est vous qui le dites, hein. J'aurais jamais fait ça avant la rentrée. Il l'aurait jamais fait avant la rentrée. Mais disons que sa copine lui a dit que ses cheveux, bah, c'était de la grosse merde. Entre guillemets. Hein, pour, ouais, elle a essayé de faire ça comme... Pour agrandir un petit peu le délire, elle est droite au but, elle a dit tes cheveux c'est de la merde. Voilà. Mais bon, on va plus rentrer dans le détail qui est cet abonné avec qui il est Momo et tout ça. On va pas bien sûr quand même divulguer son prénom et tout. Après les gens la connaissent beaucoup parce qu'elle est souvent sur mes live Twitch, elle live souvent avec lui et tout. D'ailleurs, des fois il fait des coups de pute à mes abonnés parce qu'il avait qu'elle... Il avait qu'elle, je vous explique après ce qu'il a fait. Je vous explique. Tu vas voir. En fait, sur mon TS, j'ai un TS qui sert, on va dire, à jouer ensemble sur mes live Twitch. En fait, ceux qui s'abonnent sur mes live Twitch, bah, ils ont le TeamSpeak. Et il y a des filles, il y a des garçons et tout. Sauf que Momo, il fait un peu de favoritisme. La dernière fois, il avait fait un fight de filles et il a favorisé sa copine. Je vais vous expliquer comment il a fait. Sur le live, j'ai dit à tout le monde, vous avez le droit de l'insulter de grosses biatches. Tout le monde l'a insulté de grosses biatches. On revient sur ça tout à l'heure. Juste, bonne nouvelle les abonnés. On va pouvoir, on va dire, faire les rendus de vidéo un peu plus vite parce que l'IA a reçu... Son PC fixe. Voilà. La tour, elle est là. Avec, en fait, une vitre qui s'ouvre très facilement avec le petit truc comme ça. Une poignée, elle s'ouvre. Merci beaucoup à Corsair. Et merci surtout... Et merci surtout à Steel Gamer. Les frérots, c'est quoi Steel Gamer? Ils vendent plein de produits pour geeks. Autant pour le geek qui a vraiment pas beaucoup de moyens, autant pour le geek moyen et autant pour le geek qui a pas mal d'argent. D'accord? Ils vendent des casques qui varient de 10, 15, 20 balles à 350 euros, les gros casques de compétition, les gros casques que les joueurs compétitifs utilisent. Ils vendent tout type de casque, tout type de manette, des sièges, des écrans de PC. Ils vendent un truc qu'on met, en fait, au lieu d'acheter une burn ou quoi, un truc que tu mets là, ça te fait rapid fire, ça te fait tout. Ça s'appelle le strike pack. Tu la mets là, ça s'appelle le strike pack. Je vous mets tout en description, voilà, ça s'appelle le strike pack. Vous avez tout, rapid fire, truc pour viser automatiquement. Vous avez plein de choses en fait, c'est un truc très dangereux. Vous avez passe-passe aussi. Voilà, vous avez passe-passe, vous avez pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, allez voir leur site. Ils vendent également aussi des manettes. Ils vendent tout ce qu'un gamer peut rêver d'avoir. Micro, pareil, des micros de 10, 15, 20 balles jusqu'à 300, 400 euros. Des gros micros. Donc voilà, n'hésitez pas. Pareil pour les écrans, des écrans 4K, des écrans qui varient de 200 à 300 à 1000 euros, 2000 euros. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut pour le petit, pour le moyen et pour le très gros gamer. Voilà, donc n'hésitez pas, leur site est en description et vous avez moins 5% avec le code GMT, c'est ça? Moins 3% avec le code GMT. Sur tout article et on a sur un code spécial pour le strike pack comme vous avez pu le voir dans l'intro. Voilà. Bref, on y va du coup, c'est parti. Je vais remontrer aussi... Un truc que Avermedia m'a envoyé, je vous remercie encore Avermedia parce qu'ils ont toujours été cool. Attention, j'ai pas été payé, c'est juste des produits que j'ai reçus, je tiens à le dire. Même SteelGamer, j'ai pas été payé, c'est juste mon partenaire, c'est juste un manager qui me gère, avec qui j'ai pu faire ma marque. Donc c'est vraiment des bons gars, des bons potes à moi aussi. Et j'ai toujours travaillé avec eux, et c'est pas histoire de pognon, il n'y a pas de pognon dans tout ça, il y a juste eu des cadeaux. Et je remercie tout simplement, comme j'ai toujours fait. Avermedia qui m'a envoyé un micro, voilà. Ça a l'air de ne pas du tout être mauvais, on a ouvert la boîte. On l'a ouvert là, comme vous voyez. On a enlevé le truc, on l'a ouvert tout à l'heure. Donc vraiment, c'est du très très lourd ce casque. Il est vraiment sympa. Bien sûr, toujours, Avermedia, c'est abusé comment ils me gâtent. Avec eux, je suis pourri gâté.
et m'en envoient un autre du coup parce qu'ils savent qu'il y a ma femme avec moi du coup. Ils s'en battent les couilles de mon frère. Bah voilà, c'est bon, ça par contre. Oh, vous remédiez. Oh. Ah, mais ça, c'est des produits de qualité, hein, là, bon, hein, c'est pas des petits. Bah, live Gamer, Live Gamer Extreme 2. Ça, peut-être, pourquoi pas les offrir à des abonnés. Ça, franchement, j'aimerais bien les offrir à des abonnés. Je les utilise pas, et certains abonnés commencent YouTube, et ils ont besoin d'avoir média pour règle des parties de. Ouais, ils ont besoin de trucs pour règle des fois des Call of Duty ou des trucs comme ça, parce que ça, Aver Media, m'en a envoyé plein déjà, j'en ai plein. Et Aver Media, c'est le genre de partenaire quand t'es avec eux, franchement, je te dis tout de suite, c'est pas des putains de rapias, hein. Ils t'envoient 3, 4, 5 trucs, c'est abusé. Donc à chaque fois, j'ai trop de trucs Aver Media, et j'en ai trop des trucs pour règle. J'en ai trop des trucs à Vermedia pour Rick. Donc j'en enverrai un ou deux aux abonnés. J'en garderai quand même un pour moi pour streamer ça si j'en ai un qui me lâche. D'ailleurs, ça par contre, celui-là, attends, le Live Gamer 4K, celui-là par contre, il est super. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il se met dans le PC, à l'intérieur de votre tour. On celui-là. Va le mettre dans le mien. Comme ça, quand je vais commencer à liver, bah, j'aurai un truc dans mon PC. Voilà, et on le mettre dans celui de l'IA. Oh, non, c'est vrai, bah, on peut le mettre dans celui de l'IA. Voilà, celui-là, bah, celui-là, on le garde pour l'IA, il ira dans celui de l'IA. Comme ça, l'IA, au lieu d'avoir un boîtier qui traîne sur le bureau ou al-haja, il sera dans le PC, il sera introduit à l'intérieur du PC. Ça, c'est parfait. En plus, il lui fait deux ports HDMI, c'est nickel. Voilà, tout ce qu'il faut. Parfait. Voilà, alors à ça. Et celui-là, c'est quoi? Live Gamer Ultra. Voilà. 4K, HDR, ok. Je crois que c'est le même que lui en Ultra. Voilà, donc. Voilà. Tout simplement, les frérots. Merci beaucoup encore à Avermedia pour tous ces produits. On nous avait encore trop gâtés. On mille merci à vous. On s'attendait pas du tout à recevoir tout ça. Mille merci à vous. Je vous mettrai également quand même, bah, par respect quand même, le site d'Avermedia en description. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir aussi, ça ferait plaisir. Bref, maintenant, on va passer donc du coup à l'histoire. Fallait quand même que je remercie les partenaires qui m'ont envoyé tout ça, un minimum. Ah oui, on peut mettre des couleurs sur le casque, ça c'est pas mal. Du coup, alors, aujourd'hui, voilà, le truc pour lequel je vais faire insulter Momo, c'est qu'on était en stream. Sa copine s'est fight contre une autre fille sur Fortnite, en fait. On a élu la Miss TS déjà. Ils ont voulu élire la Miss TS, c'était la fille qui serait le plus forte sur Fortnite. La plus forte, pardon. Et ce connard, en fait, il a cassé les constructions de l'autre fille pour que sa copine gagne le combat. Rien à voir. Si, t'as un menteur. En plein stream, les gens, ils disaient Oh le bâtard. L'autre, la fille, elle construisait, parce qu'il a tac. Il voyait que sa copine, elle était en bas, l'autre, elle était en hauteur. Il tirait sur ses constructions pour qu'elle tombe de haut et tout. C'est vraiment un bâtard. Et bref, donc sa copine et lui là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 mois, je crois. Voilà. Ouais, 2 mois, oui, alors en tout ça doit faire 1 an, ils ont cassé 20 fois. Voilà. Ouais, non. Voilà. Ils ont cassé 20 fois. Mais il a quand même fait du favoritisme ce jour-là, et c'est pas gentil ça. Non, mais c'est et je crois que même elle a pas aimé. Qui? Elle. Qui elle? Bah ta copine, débile! Bah non, elle a gagné. Non, c'est pas une meuf comme ça. Non, c'est pas une meuf, c'est pas une meuf qui aime bien les tricheurs. C'est pas une meuf qui est comme non, ça. Non, elle s'en foutait. Hein. Ah voilà, en tout cas c'est une fille très gentille et je viens de vous dire quoi, il sort avec une abonnée donc balance ton youtubeur quoi. Franchement moi je vous dis la vérité, balance ton youtubeur hein, les gars, moi je vous dis la vérité. Et ben non, parce que elle a mon âge mec. Ouais mais tu profites des abonnés pour sortir avec eux. Ouais, bah logique, tu crois que je vais profiter des filles moches. Je rigole. Tu comprends ça hier. Non je comprends pas, alors là on le laisse mon pote. Alors là tu vas assumer ce que tu veux me dire. Bah ouais, logique. Ah bah parce que toi, tu on va pas sortir avec une fille moche. Ah bah, parce que toi t'es beau toi. Bah oui, je suis beau gosse, moi j'aime mes cheveux, je suis un beau frère, gosse. Frère, là t'as plus rien, t'as un plus que là. Tu racontes. Hier on dit que t'avais des cheveux comme ça, frère, sur la vidéo. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez voir la vidéo de tout à l'heure, vous allez casser des vrais barres. Non, voilà, donc du coup, alors, Momo, on aimerait bien savoir avec les abonnés, comment t'as fait pour la draguer. Parce qu'on aimerait nous aussi avoir des copines, on aimerait que tu nous dises l'astuce. Ouais, on veut des conseils. Déjà, j'ai galéré pendant un mois pour le sortir avec elle. Ouais. Déjà, c'est pas une fille facile et tout, t'as vu, ça se trouve, c'est une bonne fille, t'as vu. Alors, la première technique que je vous conseille, déjà, faut que pas vous mettez des cœurs dès le début, tu vois. Parce qu'après, elle va dire, ouais, lui, c'est bon, il vient direct, il met des cœurs, c'est bon, vas-y, remballe. Il faut que vous, petit à petit, vous mettez, t'as vu, des petits emojis, genre, comme ça, refait. Ah, essaye de faire les petites approches comme et ça et tout, t'as vu. Ouais. Après, faut que vous lui faites beaucoup. Donc, toi, t'as amoureux d'une fille, tu envoies un emoji qui fait. Mais non, pas ça. Genre, emoji comme ça. Ah, qui pleure, enfin qui pleure, rigole comme ça. Ouais, voilà. Ah, qui pleure de rire comme ça, mais d'accord, ok, vas-y. Après, continue. Tu vois, faut que vous soyez bon délire avec elle. Mm-hmm. Si vous êtes trop serein, après ça va pas être marrant. Ouais, c'est vrai. Faut que vous la taillez, vous dites, ouais, ferme ta gueule un peu, tu parles trop. Tu vois, non, je rigole. Ouais, voilà, faut beaucoup la taquiner, tu vois. Ensuite, troisième conseil, il faut que vous parlez beaucoup avec elle. Parce que si vous lâchez des vues, vous parlez pas avec elle, il va te dire, ouais, lui, il me parle pas beaucoup. C'est bon, vas-y, je parle pas avec lui. D'accord. Tu vois, il tient pas à moi. D'accord. Mais faut pas être non plus un canard, t'as vu. Il faut prendre cette distance, tu vois. Faut faire un peu le désirer, tu vois. D'accord. Ensuite, le quatrième conseil que je vous donne,
Bah après, cette vidéo, elle aura quitté, je pense. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Et bah, le quatrième conseil que je vous donne, et bah, il faut être un beau gosse. Enfin, pas être comme moi. Faut exactement pas être comme lui, quoi. Vous l'aurez compris, mes abonnés. Il est très difficile d'être plus moche que Momo là, à ce moment-là. Là, avec ouais, là, contre, très difficile d'être aussi moche que lui. Non, plus sérieusement, donc voilà, c'était une petite vidéo marrante qu'on voulait vous faire. Et puis voilà, hein, j'espère que la coupe de Momo vous plaît. Et puis. Attends, Momo, juste, on voulait savoir avec les abonnés aussi. Parce qu'on est là, on est sur une vidéo de type un peu raconte ta vie. C'est la combien d'abonnés avec laquelle tu sors? Le mec, déjà, quand elle a fait ça. Non, mais tu vois, c'est compliqué un peu. Je les canne plus, cousine. À partir de 70, j'ai arrêté de les canter. T'as compris, voilà. Ah, sérieux, toi, quoi? Je sais pas. Non, arrête, frère, t'es pas censé avec 15 abonnés. T'es un mytho, t'es en train de mytho, frère. Deux. Non, pas deux. Avec elle et avec l'autre qu'on connaît, déjà, moi, je suis sûre de ça, déjà deux. Voilà, deux. Ouais, trois. Qui, trois? C'est notre fille, on a fait une vidéo. Mais c'était pas une abonnée qu'on connaissait vraiment, nous, tu vois. Ah non, mais que vous connaissez, vous, il y en a que deux. Ah, mais c'est une abonnée. Ouais. Donc sorti avec trois abonnés. Ah, oh, ça prend vite. En même temps, les gars, dans le chat, franchement, vous aurez été mon petit frère. Vous êtes avec des filles. Elles sont charmantes. Elles ont votre âge. Elles ont une belle petite voix et tout. Vous avez leur âge. Faites comme lui, les gars. Montez pas. Vas-y, continue, frère. Ouais, mais c'est bon, t'as fini. Bref, on a fini la vidéo. Allez, ciao tout le monde. Non, voilà, en tout cas, j'espère juste que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas, comme je dis, à aller voir les sites, les gars, ça me ferait plaisir. Style Gamer en description, Avermedia en description. Vous avez pas besoin de vous embêter, tout est en description. Donc voilà. Prenez soin de vous et de la Mifa. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, ça ferait plaisir. On vous a raconté pourquoi moi j'ai fait ce carnage, parce que beaucoup disaient pourquoi. Voilà, c'est à cause d'une fille. Les filles, elles nous font faire attends, tout n'importe quoi. Attends, elle voulait pas ça. Elle voulait que tu coupes beaucoup tes cheveux, mais pas à ce point-là. Voilà. Genre comme ah, parce que là, il a envoyé une photo, là, je crois, mais je crois qu'elle a pas forcément dit que c'était magnifique, magnifique. Hein. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa, et puis à très très bientôt. Ciao! À plus, les copains.